Le football, aujourd'hui, c'est un business qui marche avec le public. Voilà, vous ne pouvez pas faire un match de football à huis clos, ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, pour qu'un match il a beaucoup d'émotions, pour que voilà, il y a l'enjeu du match, il faut que les supporters soient là, il faut que les gens savent qu'ils sont en confiance, qu'ils sont en sécurité. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un virus qui est en train d'arriver. Voilà, hormis le football, il y a une vie. Donc les gens, ils prennent quand même précaution à leur vie. Donc voilà, aujourd'hui, les autorités mettent tout à disposition pour que voilà, cette épidémie passe très vite et que voilà, le football retrouve ses plaisirs avec ses supporters. Et on a déjà vu des matchs en Italie, voilà, les matchs à huis clos. On espère que ça n'arrive pas en France. Aujourd'hui, les mesures de sécurité ne sont pas encore mises très en place pour que les matchs en fait, ce soit à huis clos en ce moment. Donc pour vous, c'est soit on joue avec le public, soit on reporte le match. Ouais, je préfère qu'on reporte les matchs que de jouer un match sans public, parce qu'un match sans public, voilà, il y a pas la saveur. Voilà. Aujourd'hui, on a joué dans un parc plein, voilà, sur le football, malgré la défaite, mais on retient que voilà, le match il était animé. Voilà, pour nous aussi, les jeunes joueurs, ça nous permet voilà, d'espérer ce genre de rencontre, parce que c'est le bon match à vivre, et quel qu'en soit le résultat, mais c'est important d'être sur le stade.